Taguez-moi Ali Touré de la CRIEF. Parce que ce guignol co-procureur de la CRIEF pense qu'il est fort. Ali Touré. Mamadou Doumbouya nous bira l'oronaga. Igbe Baragno. Ça fait près de 3 ans. Les anciens dignitaires sont détenus. Ali Touré. Près de 3 ans. Et à chaque fois, la justice décide de les libérer. Que non, c'est parce que c'est vous qui avez le super pouvoir de dire non. Actuellement, Dr Kassori est malade. Dr Diané, Damaro, ainsi de suite. Tout le monde est malade. Toi, tu as pris l'avion pour aller te soigner tout récemment en France, Ali Touré. Toi, tu as laissé les hôpitaux en Guinée. Parce qu'aujourd'hui, tu es le procureur général de la CRIEF. Toi, tu as les moyens. Tu pars te soigner en France. Mais lorsqu'on demande d'évacuer les anciens dignitaires, là, non, toi, tu ne peux pas. Toi, tu ne veux pas ça. Ali Touré. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il voit tout. Les meleques, les anges, ils signent tout, ils notent tout. Et nous serons récompensés selon nos actes. Continuons. Han Fera, Dr Kassori Massoto. Moi, ce n'est pas Mamadou Doumbouya, je vais condamner. C'est toi. Parce que Yakolo, Inamagou, Inere. Onu Chalourait, Yato, Chalourait, Birak, Yanere. Tu as vu comment Chalourait est tombé. Awa, ton cas, ça sera pire que pour Chal. Nga Falebe, Ali Touré. Ton cas, Adangé Mane Chalourait, Bira. Parce que lui, on l'avait parlé ici. Mais il pensait que non. Mais c'est quand il a voulu se réveiller maintenant. Quand il a voulu se réveiller, qu'il est tombé, bam, awa ton cas, ça va être pareil. Tu vas finir comme Charles Wright. Ali Touré. On va et tout. Dieu, tu peux tromper les hommes. Tu vas tromper les êtres humains. Ils vont t'en tromper, mané. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas tromper le bon Dieu. Wallah, tu ne peux pas. On ne peut pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas pressé. Atana Moudare, Moumang Bile Matanama. Nous allons retourner en lui. C'est-à-dire, Dieu, lui, n'est pas pressé. Otambewa futilité naganaki. Que vous êtes en train de détourner, prendre de l'argent, construire des maisons. Ali, tout ça c'est zéro. Il faut ramener ya birin loubé. Surtout vous, les gens de. Demain, l'au-delà, c'est le jugement. Autant n'a n'a pas n'a pas fait qui, zéro n'a n'a qui. Autant n'a 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 pas qui. Tout ça là, c'est zéro. Le jour de la résurrection, c'est ce jour-là. C'est ce qui va compter. Parce que, après là-bas, c'est deux mondes. Le paradis et l'enfer. Mais ce que nous avons fait sur terre ici, c'est la récompense qu'on va nous donner. Donc, toi, il faut continuer à faire l'injustice, à humilier les personnalités. Quoi, parce que tu es le procureur de la CRIEF. Wallah, tu es zéro, Ali Touré. Tu es zéro, Ali Touré. Nga falaybe. Zéro, Nira. Tu penses que tu es magoui, megema akolo. Les gens ne sont pas pressés. Tu seras mis devant tout le monde. Tous tes vols, tes arnaques. Il arnaque na gambiri na bar abiri sa manekenema. Regardez-moi un petit fanfaron comme ça. Les gens sont malades. Vous partez vous soigner en Europe. De les évacuer. Non, tu veux pas entendre parler de ça. Ali Touré. Han fera docteur Kassori Massoto. Inato mané iyara. Mgioma fala ma ibede. Han fera docteur Kassori Massoto. Inato mané iyara. Donc, franchement, ces gens-là, c'est une honte. Cette transition, c'est du jamais vu. Les dadis sont venus ici. Les Sekouba Konaté sont venus ici. Mais de tels désordres,
Surtout au niveau de la justice. Non, mais c'est honteux pour notre pays. C'est-à-dire avoir des fanfarons comme les Ali Touré, co-procureurs. C'est-à-dire des vauriens, des gens qui n'ont jamais voyagé dans leur vie. Des vauriens qui n'ont même pas un bon diplôme. On ramasse. Parce que tout ça, là, c'est le même Charles Wright. Parce que tous ces fanfarons-là doivent leur chance grâce à Charles Wright. Tous ces fanfarons qui parlent qui sont procureurs, là, c'est grâce à Charles Wright. Si ce n'est pas Charles Wright qui avait pris ces incompétents-là, les nommés procureurs, on ne serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est le boulot de Charles Wright. Et de la manière que ton patron Charles Wright est tombé, Obirimbiramanakine. Comment des gens comme vous pouvez être des procureurs dans ce pays? Regardez, nous avons tellement de bons cadres au niveau de la justice. Partagez, ils vont beau se fatiguer. Nous n'allons pas arrêter. Moi, mes pages, je ne peux rien contre. On vous dit de libérer des gens. Il n'y a rien dans les dossiers. Rien, absolument. Rien dans les dossiers. Mais vous continuez à humilier des personnalités, à rabaisser les gens. Quand on parle de la lutte contre la corruption, c'est pour qu'il y ait la bonne gouvernance. OK? Depuis l'arrivée du CNRD. Depuis l'arrivée du CNRD, qu'est-ce qui a changé? Ali Touré. Attendez, je vais vous faire écouter une vidéo. Vous allez entendre la pauvre dame parler. Et on va continuer avec. Partagez au maximum, la famille. Écoutez. Pure en Guinée à l'air, là. Voilà, surtout sur nous, les femmes. Surtout nous, les femmes qui ont des enfants qui n'ont pas fini d'étudier. C'est 260 000 francs. 270 000 francs. Avant, c'est à ça qu'on accepte. Mais à l'air, là, c'est dur. Il n'a qu'à tout faire pour nous aider. Il y a dit 330 000, 325 000. C'est à ça qu'on prend. On paye là-bas à ça. On paye les transports aussi. Nous sommes là, nous aussi, nous sommes des Guinéens. Mamadi Doumbouya, président de la République, wallahi, pardon, il faut nous aider. Là où nous sommes à l'air, là, on achète le riz là à 330 000. Donc, avant, c'était 260 000, 270 000. Mais à l'air, là, on achète ça à 330 000, 325 000. Donc, il n'a qu'à nous aider. À l'air, là, wallahi, à l'air, là, le concasseur, nous qui vendons le riz là, on revend ça à 7 000 francs. Un sac de riz, tu ne peux même pas gagner 5 000 francs. Donc, à l'air, là, ce n'est pas facile. Wallahi, billet Allah, si vous ne faites pas attention sur le lira, nous tous, nous allons divorcer à nos maris. Parce qu'on ne gagne pas. Notre mari ne travaille pas. Si un mari ne travaille pas là où tu revends, tu ne gagnes pas, qu'est-ce que tu vas faire? Et pourtant, nous sommes nés ici, grandis ici. On ne peut pas se retourner au village. Et parfois, vous achetez un sac de riz à combien? C'est 260 000 francs. 270. Voici des vérités crues. Nous savions tous ici qu'au temps du président Alpha Condé, le sac de riz, c'était 230 000 francs. Quand le CNRD est venu, c'est monté à 260, 270. Mais depuis lors, nous sommes à l'intérieur du pays, dans certaines régions de la Guinée, à plus de 375 000 francs. Parce que le transport, l'état des routes aujourd'hui, le riz importé aujourd'hui, se vend à l'intérieur du pays parce qu'à cause de l'état de nos routes aujourd'hui. Vous avez écouté la pauvre maman. Flambée des prix. Le port de Conakry était le port le moins cher de la Guinée. On n'avait pas de problème. Mais aujourd'hui, avec leur politique, après avoir d'abord vidé le trésor, les tonneaux qu'ils ont envoyés pour pouvoir remplir les caisses de l'État n'ont pas trouvé d'autre solution d'augmenter les impôts. Et quand lorsque vous augmentez les tarifs douaniers, qui paye? C'est le peuple. Parce que le commerçant ne peut pas aller importer le riz, les denrées et venir les vendre moins cher. Il doit payer la douane, ainsi de suite. Mais c'est le peuple. Et pendant ce temps, les salaires, il n'y a pas eu d'ajustement au niveau des salaires. C'est-à-dire le fonctionnaire qui était payé à 200, c'est-à-dire qui était payé à 2 millions, depuis l'arrivée de CNRD,
il n'a pas eu une augmentation de 100 000 francs. Et le sac de riz quitte de 230 000 à près de 375 000 francs. Imaginez oignons, huile, ainsi de suite. Et toi, Ali Touré, vous vous êtes là à humilier. Docteur Kassori, premier ministre, chef du gouvernement, Covid, il a donné l'électricité 6 mois cadeau, l'eau 6 mois cadeau, transport public 6 mois cadeau. D'ailleurs, où sont ces bus aujourd'hui? Où sont les bus là aujourd'hui? Les travailleurs sont là-bas sans salaire. Ça fait combien de mois? Les travailleurs là, ils sont où? Ça dit, vous parlez de quelle bonne gouvernance, Ali Touré? La CRIEF là. C'est quoi l'utilité de la CRIEF? Lorsque vous luttez contre la corruption, si ce n'est pas un règlement de compte, comme Mamadi lui-même l'avait dit, chasse aux sorciers. Si ce n'est pas la chasse aux sorciers, si ce n'est pas la justice des vainqueurs des plus forts, qu'est-ce que vous avez apporté? Depuis au phare, la lutte contre la corruption, il y a combien aujourd'hui au trésor public? Le régime d'Alpha Condé, les anciens dignitaires, les docteurs Kassori, que vous êtes en train d'humilier, Onara, ne nous mouillez tifé. Mais la Guinée n'a jamais eu un problème de paiement. Les fonctionnaires guinéens, combien de personnes aujourd'hui? 19 200 personnes à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Il y a encore la liste de plus de 2000 fonctionnaires aujourd'hui qu'ils ont enlevé encore sur le fichier. Il y a une liste encore, une grande liste de personnes encore qu'ils vont envoyer à la retraite. Parce que c'est des, je vous ai dit, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Mamadi a fait quelle étude? Mamadi a quel savoir-faire? Ça dit, n'a dougoulé, n'a nalomé, n'a kokoé, n'a rien à démagogie à baffer. Sur les réseaux, oui, Mamadi Doumbouya. Parce que c'est des gens qui n'ont rien. Ne les en voulez pas. L'inconscience, c'est une maladie. Ces inconscients qui parlent. Les gens pensaient que hier, oh non, les présents Alpha Condé, les docteurs Kassori, ils n'ont bérifié. Parce que c'est, les gens sont jaloux. Oui, de voir quelqu'un premier ministre, il a les gardes. Oui, ce sont eux qui décident. Mais aujourd'hui, ce qu'on dit qu'on les sauveurs aujourd'hui, la Guinée est là, médias fermés, le prix des darés, 11 ans du régime d'Alpha Condé, la Guinée a connu toutes sortes de malheurs. On a connu Ebola ici. On a connu des crises politiques. Covid est venu s'ajouter à ça. La pression extérieure, parce que la France ne voulait pas du président Alpha Condé. Mais la Guinée a tenu bon. Le FAMA a tenu bon. Son régime a tenu bon. Le 5 septembre 2021, Zéro Corée a connu. Ils ont vu l'interconnexion. L'effort de qui? De FAMA. La route nationale aujourd'hui en cours, dont les bandits sont venus se flanquer pour dire qu'eux, ils vont faire du sérieux. Où est leur sérieux aujourd'hui? Ils ont mis la pression sur les Chinois. Ils ont versé le goudron sur nos routes là. Mais aujourd'hui, avec une saison pluvieuse seulement, regardez l'état de nos routes. Où est le sérieux? Toi, Ali Touré, vous qui parlez, on nous a dit ici que le CNRD a fait 3000 km de route. Toi qui dis d'aller en Guinée là, à Falaïnga, Bekanye, Kamara Kouala, à Falaïnga, Bekanye, il n'y a pas de problème, je prends l'avion, je rentre. Ça, c'était une parenthèse. L'état de nos routes, la gestion du pays, vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Qu'est la bonne gouvernance? Où est la bonne gouvernance? Vous avez apporté quoi comme changement? Bonheur au peuple de Guinée. Le régime que vous avez enlevé, le sac de riz était à 230 000. Nous sommes à près de 375 000. Le nombre d'emplois, fonction publique, imaginez, un fonctionnaire. Aujourd'hui, ils ont mis plusieurs personnes à la retraite. Vous avez employé combien de personnes? Kamano est sorti ici, secrétaire, je ne sais pas quoi, la menteur là. Le mangeur de glace là. Il est sorti se flanquer, que non, ils vont prendre 20 000 personnes. Des incompétents, des incapables. Vous qui n'arrivez pas à payer les fonctionnaires guinéens, vous allez prendre 20 000 personnes. Pourtant, j'avais dit aux enseignants contractuels ici, ne renoncez pas à vos salaires. Ces gens-là ne peuvent pas vous prendre. Mais aujourd'hui, le temps nous a donné raison. Non? Ils ont recruté combien de personnes? À part nommer leur copine directrice, à part nommer leur copain ministre, qu'est-ce que ces vauriens là ça? Je vous dis, le Guinéen doit se réveiller. Nous sommes avec des vauriens. Un, ils n'ont pas honte. C'est quand tu comprends quelque chose que voilà, ça te gêne. Ces gens-là, ils n'ont aucune notion. Ça ne les gêne. Regardez, tout leur communiqué ici, la charte, personne ne les a imposé. Ce sont eux-mêmes qui a imposé. Pas de mouvement de soutien. Mais aujourd'hui, vous voyez le pays.
la charte. Droit de l'homme, dans leur propre charte. Où est Fonke Mangé? Où est Bilo? Où est Sadiba? Où est M. Célestin Bilivogué? Dans leur charte. C'est eux qui parlent de droit de l'homme. Droit de... C'est pour vous dire que ces gens-là ne connaissent rien. Nous avons affaire à des tocas. Idi Amin est un toka. Bala Samoura est un toka. Amara est un toka. Doumbouya est un toka. Ils n'ont aucun... Djiba est un toka. C'est-à-dire tous ceux qui sont à la tête qui commandent aujourd'hui ce pays-là. C'est un groupe de tokas réunis. Au moins, Mamadi, il peut ne rien avoir dans la tête. Mais s'il était entouré par des bonnes personnes, Lansana Conté, quoi qu'on dise, moi je ne condamne pas Lansana Conté. C'était son entourage. Là, au moins, il y avait des cadres qui avaient étudié, qui avaient la maîtrise. Même s'ils volaient, ça, c'est leur affaire. Mais Lansana Conté, il s'est fait entourer par des bonnes personnes. Pas des tokas, pas des vauriens. Mais Mamadi, aujourd'hui, des vauriens comme les Djiba. Dire que l'un des plus grands projets miniers, Simandou, quand c'est des fanfarons comme les Djiba, des vauriens, des tocards comme ça, c'est eux qui pilotent Simandou. Vous avez vu leur bêtise la dernière fois. Allez voir les Chinois chercher à prêter 2 milliards sur le dos du peuple de Guinée sans que les gens, quelqu'un soit informé. Autant d'Alpha Condé ici. Il a signé des contrats où tout devait se faire devant le peuple de Guinée. Parce que les biens de l'État s'appartiennent au peuple. Les journalistes doivent parler. Les gens doivent parler. Mais lorsque les bandits sont venus, ils ont appelé Alain Foucault. Mais est-ce qu'Alain Foucault parle encore de la Guinée? Ils ont fait du cinéma ici, là, où Alain Foucault allait faire des tours sur nos mines pour insulter les anciens dignitaires. Où nous en sommes aujourd'hui? Mamadi a construit quelle usine de transformation? Je vous ai dit, c'était du tape à l'œil. Tape à l'œil. Bon, d'ailleurs, même j'ai la vidéo du journaliste Babila. À ce moment, on n'avait pas encore fermé les médias parce que c'est tout ce qui les gêne aujourd'hui. Voilà, écoutez. Je voudrais aussi placer ça. Partagez. J'aime le temps, s'il vous plaît. Le documentaire d'Alain Foucault récemment parlait de 700 millions de dollars. Écoutez. Rio Tinto qui avait été donné à la Guinée. Selon Alain Foucault, ce montant a disparu des caisses de l'État. Et que beaucoup de choses se communiquent autour de ce projet. Quel regard portez-vous sur ces éléments d'information? Vous savez, d'abord, ces 700 millions ont été payés à la suite de ce qu'on appelle l'accord transactionnel. L'accord transactionnel qui a permis à Rio de maintenir ses droits sur le Simandou. Ce que nous savons, par contre, la Banque mondiale, le FMI, pardon, avait interrogé la Guinée à plusieurs reprises sur l'utilisation de ces 700 millions. Et même le président Alpha Condé avait répondu qu'une partie du financement de Caleta provenait de ces 700 millions. Voilà. Ouais, donc ça veut dire que, c'est vrai que quand même avec sortie de Alain Foucault, les gens estiment que ce sont des contre-vérités. Quelles conséquences pour le pays? Oui, vous savez, quand même, j'ai écouté ce documentaire, il y a beaucoup de choses qui dit dedans qui ne sont pas vrais. Par exemple, il dit que le minerai a été accordé à ces sociétés pour 35 ans, ce qui n'est pas vrai. La concession, c'est pour 25 ans. Ce sont les infrastructures qui porteraient sur une durée de concession de 35 ans. Mais la mine elle-même accordée à Winnie ou la mine accordée à Rio Tinto, c'est 25 ans. Ce n'est pas aussi vrai. Mais aussi la contribution au développement communautaire qu'il nie, et ça c'est vrai. Dans la convention de l'UNI, elle s'est engagée à payer 150 millions de dollars d'investissement dans le développement communautaire. 150 millions, c'est écrit dans la convention. Elle paye chaque année... La première convention. Oui, la première convention, 150 millions de dollars. Et surtout, il y a encore un ticket d'entrée. C'est-à-dire, lorsque la Guinée a signé la convention, l'UNI s'est engagée à payer 100 millions de dollars comme ticket d'entrée à la Guinée et 2 millions de dollars pour frais de remboursement des frais d'avocat. Ça, c'était quand même des acquis qui figuraient dans l'ancienne convention. Mais aussi, dans la même convention, on a des dispositions autour du FODEL. C'est-à-dire 0,5% du chiffre d'affaires allait être payé chaque année au fonds de développement local. Donc, il y a tout ça que je vois nier dans ces documents. Je vous avais dit, à l'époque, Alain Foucault, ils avaient pris Alain qui ne connaissait rien de la Guinée. Ils ont fait leur cinéma pour pouvoir tromper le monde entier. Mais la vérité finit toujours à triompher. La vérité finit toujours à triompher. Je vous ai dit, la famille, restons sereins, restons sereins. La vérité finira toujours à triompher. Toi qui dis que vous allez me retrouver aux États-Unis, moi je suis là, je ne suis pas quelqu'un de caché. Toi qui parles la Kobangura Bundu, je ne sais pas quoi là. Moi, Damaro, je ne suis pas caché aux États-Unis. Il y a eu des événements ici aux États-Unis. Les Guinéens m'ont vu. Interstate, les deux interstates passés là.
année surpassée, année passée, j'étais là. Devant les Nations Unies, quand on appelle à manifester, qui est le premier à aller devant le consulat guinéen? C'est Ansou Damaro. À Philadelphie, les Guinéens qui sont là, ils savent où trouver Ansou Damaro. Moi, je ne suis pas caché. Celui qui veut venir chez moi, il peut venir. J'ai déjà averti tout le monde. Celui qui a peur, c'est un bâtard qui a peur. Moi, ce que je suis en train de faire, je suis dans la vérité et rien, rien, ni les menaces. Donc, c'est vous les idiots, au lieu de parler ici, là. Mais venez. Mamadi est venu avec son équipe ici. Moi, j'étais aux Nations Unies. Quelqu'un qui a peur, ce n'est pas moi. J'ai dit, c'est un bâtard qui a peur. Mais quelqu'un qui est fils digne de son père et de sa mère. C'est pas moi les menaces. Je vous ai dit vos menaces, Karamoko, Soma ou quoi. Moi, je ne fais que rire sur vous. Parce que je sais que j'ai été créé par Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, et je vais retourner en lui. Et tout ce que je fais d'abord, je suis sincère envers moi, avant d'être sincère avec les autres. Des idiots comme ça, là. Oui, aux États-Unis. Moi, je suis là. Je suis là. Je ne suis pas caché. Les Guinéens me voient ici tout le temps. Voilà. Donc, ce n'est pas vos bêtises là. Je vous ai dit, si vous êtes des garçons, payez le CNRD et envoyez les gens ici déjà fatigués. Ils ont payé les gens. Eux, ils voient le général 5 étoiles. Mais ils n'osent pas. On me voit, mais ils ne m'osent pas ici là. Voilà. Donc, idiot là, qui n'a rien compris là. C'est-à-dire, même à un enfant, tu ne peux pas dire à un enfant, ici, aux États-Unis, ici, d'abord, les lois d'ici, là, tu ne peux même pas menacer quelqu'un. Même dire à quelqu'un, il est gros, tu ne peux même pas dire. À plus forte raison, tu vas menacer. Des imbéciles comme ça, là. Bon, la famille, je vous ai dit, restez tranquille. Tous les menteurs seront démantelés petit à petit. Tous les menteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, est du côté de la vérité. Je parle des Guinéens conscients. Je parle des Guinéens conscients, ceux qui veulent le changement, le développement de ce pays-là. Nous savions tous que le pays-là, aujourd'hui, est à terre, depuis l'arrivée de ce groupe de bandits, de ce groupe d'incompétents. Mais ils n'ont rien compris. Allons-y seulement. Hey, moi, on vous a déjà dit, à partir du 30e, le peu de légitimité que vous aviez là, c'est là que ça va tomber. Les leaders politiques, dire que vous allez dissoudre, ça c'est dans la bouche. FND, c'est vous allez dissoudre, c'était dans la bouche. Ça, je vous le dis, hein. Vos décisions que vous prenez là, c'est dans la bouche. Mais la réalité, vous allez voir la réaction du peuple de Guinée. Vous allez voir le peuple, vous allez sentir le peuple de Guinée. Et nous, c'est ce que nous voulons même. De quel droit? Regardez-moi un groupe de bandits. Un groupe de bandits. Vous n'avez pas été élu par le peuple de Guinée. Vous avez quel droit de dire que vous allez dissoudre les partis politiques? Vous avez quelle légitimité? Vous êtes tombé du ciel. Car le titre foncier de la Guinée, ils ont donné à vos parents, ou bien ça vous appartient? Vous oubliez que quand on dit l'État, les biens de l'État, là, ça appartient à tout le monde. Vous oubliez que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Vous oubliez cela? Bande de bandits que vous êtes. Ne changez pas, hein? Allons-y seulement. On va se réveiller. L'affaire là est finie. Mamadi, moi je t'ai déjà conseillé. Je te jure, ça ne viendra pas loin. Parce que déjà la situation du pays, tu sais, Mamadi, aujourd'hui, où tu es aujourd'hui, tout est bloqué. Les 600 millions que ton ministre Mourana, l'ami intime de Makoso. Non, qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter de telles bêtises dans notre pays? On voit Makoso, allez voir Mourana. Moi, je pensais que c'était quelqu'un de sérieux. Déjà, lui aussi, c'est un vrai comédien, un vrai guignol, Mourana Souma. Ça dit, notre pays, pourquoi la Guinée mérite ça? Mary Lama, Mary Barry, Mary Zeroy, Nenana Moudiri, j'ai fait. Tu comptais sur les 600 millions que Mourana pensait gagner. Ça aussi, échec Nara. Échec, Doumbouya. Ton espoir, c'est où?
Paul Kagame peut rien faire pour toi. Et qu'est-ce que le Rwanda peut faire pour nous? Ils n'ont pas fini de régler leurs problèmes. Qu'est-ce que le Rwanda peut faire pour nous? Mamadi, tu vas aller où? Tu vas aller où? La France ne donne pas, la France prend. La politique de la France. La France ne nous donne pas de... Sinon, tous les pays francophones aujourd'hui allaient être développés. Mais vous n'avez rien compris. On a eu Je demande pardon à tout le monde ici. Même si vous voyez les gens m'insulter. Moi, je dis bien ceux qui m'aiment. Wallahi billahi, je ne regarde pas les vidéos de ces gens-là. Même si vous m'envoyez, je vous jure que je ne vais pas ouvrir. Donc, je vous demande ceux qui m'aiment là. Ceux qui insultent Damaro. Parce qu'ils n'ont rien à dire. Parce que nous déjà... Donc, je vous demande, si vous voyez des futilités, combitié et racombitié même. Moutana non dit, à nos preuves, moutana mène. Donc, où est l'eau et tanga combitié même? Qu'est-ce qu'il peut faire? Combi mou se seba mantana. Namara bama, autant t'en suivi ma bé. Donc, où est en loup et racombité, et daki nanaki, et hurki nanaki, et manioma nakine, et ra identité nanaki. N'tam kele famille nare, et mou mat, c'est le respect qui est chez nous. Donc, mgyo anagba mgyora. Et, bare wongo ma merima, kaimu gemet tongoya gono, ou bien y continue mané, parce que amérima. Donc, o bare luna, bare ra wongo, moutamoun. Ni la même. Kabarewa ma wongo fe aga wongo. Nous, on n'a pas le temps. Pour ça. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Je ne vais pas durer avec le live. Ce soir, on a des dossiers encore. Moufa Mane, Tonou Mare, Mourana Fala. Je ne vais pas retenir. Je sais que nos pages aujourd'hui, il y a beaucoup de restrictions. Mais grâce à vous, Oran Like Naranaki, c'est grâce à vous. Le CNRD est paniqué. Des fois, on leur dit, oh non, c'est fini. Sa visibilité. Mais vous savez déjà qui est le général 5 étoiles. Moi, quand je finis, combien de Guinéens? Quand je finis, combien de Guinéens vont regarder? Donc, le CNRD est mon nom à cesser, nana. Cessez. Marafaleb, eh bien, est mon nom à cesser. Vous allez vous fatiguer. Ce que Dieu a décidé là, nana nabama. Vous pensez que votre mal là, ça va continuer. Donc, merci Ismaël Diallo. Bissirou Diallo, merci à vous. Moussa Balak Bana Kamara. Merci Brevan Percy Keita, merci. Bangali Fofana. Maldini Sidibé, merci. Diallo Caravat Junior. Merci à tous les patriotes. Voilà. Merci à Ousmane Maminata Berete. Voilà. Touré Djabi, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi. Voilà. Ashina Dina, merci à vous. L'homme influent, merci. BMW, c'est l'équipe BMW Camara. Mohamed Lamine Bangoura, Sekou Sangare, merci à vous. Voilà. Des fois, vous n'aimez pas que je réponds les brebis galeux, mais walou, des fois. Voilà, Amidou Mo Mariama Baldé, merci à vous. Ibrahima Gougo, merci. Rougeau Kanté, Abdraman Baldé. Voilà, restons unis. Comme je vous l'ai dit, ne tombez pas dans les pièges des menteurs. Voilà, pour dire que les responsables de l'UFDG, surtout M. Fodéoussou, qu'on est en train de balancer le nom dans les WhatsApp pour dire qu'il veut devenir membre. Ne croyez pas, c'est des menteurs, c'est des gens qui veulent juste diviser les partis politiques, mais ils ont tapé pour tout. Kondé Youssoufa, merci à vous. Ouma Kourouma, Abdoul Gadri, voilà, Baldé, merci à vous. Las Touré, Ouma Diallo, merci à vous. Abaka Diakité, soirée, Bafoué, soirée, merci à vous. Merci à Mobari. Bonne soirée à tout le monde. On est ensemble.
Elaja Alpha Diané, merci.